Allez, bonjour au signe de la balance. Je vous propose aujourd'hui un tirage général pour les énergies de février 2021. Comme c'est un tirage général, bien sûr, ça ne résonnera pas en vous de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec vos énergies, votre vie actuelle, et voyez comment ils peuvent être interprétés dans votre vie à vous. On commence bien sûr avec les énergies du jugement. Il y a du renouveau et d'ailleurs votre tirage est empli de nouveautés. Il y a du renouveau, de la guérison. Il y a quelque chose chez vous qui guérit un instinct, quelque chose qui est qui mérite de guérir et de renaître à soi, une nouvelle chance. Vous êtes offerte en février 2021, qui peut prendre différentes formes, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale. En tout cas, il y a des énergies de... C'est comme si vous émergiez dans un nouveau monde, c'est-à-dire vous prenez des nouvelles énergies et vous repartez de nouveau, de plus belle dans le monde. Ici, ce qui est favorable pour vous, c'est justement votre aspect créatif, votre déjà c'est la carte qui marque un nouveau départ, mais c'est surtout la carte comme quoi vous êtes un magicien qui détient tous les talents pour réussir ce qu'il entreprend. Donc ici il y a une volonté, une capacité en tout cas d'avoir ce qu'on désire, donc c'est le moment d'agir et on vous donne la possibilité justement de pouvoir prendre votre envol et un nouveau départ. En revanche, ce qui vous freine, quelque part, c'est votre inexpérience, concrète, dans le domaine dans lequel vous allez vous retrouver. Si, par exemple, il s'agit d'un nouveau travail, peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait de quoi il s'agit, comment il faut travailler, et vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Vous avez une certaine forme d'inexpérience qui vous fait douter, en tout cas, de vos talents. Mais là, on vous dit bien que vous avez les capacités. Il suffit de vous en convaincre. Les événements qui vont avoir lieu nous disent qu'il y a une prise de décision qui est claire ici avec la justice et la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui prend des décisions importantes. Soit c'est vous qui les prenez, soit quelqu'un les prend pour vous. Il peut être, ça peut être synonyme de contrat pour certains au niveau professionnel. En tout cas, vous avez un vrai discernement par rapport à la situation et on vous offre la possibilité d'y voir beaucoup plus clair en ce mois de février 2021. Avec cette carte du 6 de denier, on parle de rééquilibrage, de rééquilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez, ce qui est le cas aussi avec la justice. Donc, vous allez retrouver, entre guillemets, une balance, justement, c'est votre signe, on est en plein dedans, donc ici c'est comme si vous retrouviez votre pouvoir personnel que vous aviez perdu et retrouver une sorte de dynamisme, une vitalité que vous aviez peut-être perdu ces derniers mois. Dans la vie professionnelle, on parle justement d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. On a deux fois l'as de bâton, donc il y a vraiment quelque chose, une opportunité, quelque chose, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est là, et on a le magicien qui revient, donc toujours c'est exactement la même carte que celle-ci, qui nous dit que vous avez les talents pour le faire. Vous êtes absolument enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous plaît ici. La situation s'améliore avec l'étoile, quelque chose que peut-être vous avez attendu. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est de très, très bon augure pour le mois de février 2021. Et pour ceux qui ont déjà un emploi, vous allez vous épanouir dans ce que vous faites ou on va vous proposer quelque chose de nouveau au sein de votre société qui pourrait vous épanouir et vous faire du bien. Voilà, en tout cas, vous êtes entouré d'amour dans le milieu professionnel, on parle de vous, vous savez, avec cette étoile briller, et ici, on voit bien avec les oiseaux et le jardin, que les oiseaux et le jardin qui représentent les gens qui parlent de vous, les réseaux sociaux, tout ce qui est relations sociales, on parle de vous en bien par rapport à cette nouvelle activité. Au niveau financier, on parle du prince d'épée qui, lui, représente la détermination. Vous êtes conquérant, vous avez envie d'en découdre pour améliorer votre vie matérielle, votre vie financière.
vous avez des opportunités qui s'offrent à vous avec le 7 de coupe. On vous tend quelque chose qui peut guérir vos finances et ça vous rend totalement enthousiaste. Il y a quelque chose de... Voilà, cette nouvelle activité probablement provoque de la nouveauté aussi au niveau de vos finances. En tout cas, quelque chose va mieux dans vos comptes avec ces cartes. En espérant que ça vibre avec le maximum de personnes. Au niveau sentimental, on va dire, de façon plus large, relationnelle, ici, il y a aussi... une certaine forme de guérison dans cette carte, mais c'est surtout la carte des vœux. Votre vœu s'exauce dans le relationnel. Il y a quelque chose qui se termine avec la mort, quelque chose qui ne fonctionnait peut-être pas et qui vous rapporte beaucoup plus de confort, beaucoup plus de stabilité. Vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau avec ces énergies et vous êtes donc plus à l'aise avec les autres. Ici, même si vous pouvez avoir un petit côté autoritaire avec les gens qui vous entourent, en tout cas, vous êtes confortablement installé, on sait vous écouter, vous savez impressionner les gens. Comme je le disais ici, avec ces cartes, ça représente un peu la même chose. Vous avez un relationnel qui change quelque chose, comme si vous étiez beaucoup plus attirant, beaucoup plus charismatique tout à coup. Vous retrouvez beaucoup d'énergie flamboyante. Ici, pour d'autres, on pourrait parler de changement aussi dans la vie affective et de commencer une nouvelle aventure, peut-être amoureuse. Certains pourraient rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a des énergies d'envol, de libération, de nouvelles chances, de secondes chances, un peu dans tous les domaines de votre vie. Donc, ça pourrait parler à chacun de façon différente. Certains seront plus concernés par la nouveauté dans le travail, d'autres par le côté relationnel et affectif. Ou alors, l'intégralité de votre vie pourrait s'améliorer de façon significative en février 2021. Dans les énergies que nous avons aussi, on vous propose de retrouver du pouvoir d'une certaine manière, du pouvoir sur vous-même et du pouvoir sur les autres avec cette carte. Et peut-être de faire preuve d'un peu plus de... Vous aurez peut-être plus d'intuition, d'être un peu plus imaginatif. En tout cas, on vous propose de vous sortir de l'ombre et de vous redonner du pouvoir. Ici, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup attendu parce qu'il y a des cartes lentes. Vous avez attendu que les choses arrivent. Et donc, les choses commencent à se débloquer aujourd'hui pour vous proposer quelque chose de plus heureux pour votre équilibre dans votre vie familiale. Voilà, en tout cas, vous serez mieux. Il y a des énergies de bonheur avec cette carte. Vous serez beaucoup mieux avec... plus ancré aussi avec cette carte, vous aurez beaucoup plus la sensation de revivre votre vie, un peu comme si vous étiez senti sur un temps d'arrêt pour certains. Voilà pour les énergies. Je vous rappelle que je vous invite à aller regarder la vidéo de votre ascendant parce que parfois il peut davantage vous parler que votre signe solaire. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Rien ne peut remplacer un tirage personnalisé. Ça reste vraiment très général, les énergies pour l'ensemble des balances. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Bisous.